Je suis dans le stade. Je suis dans le stade. Oui, j'ai arrêté. C'est la première, disons, je vais y regarder. Non, je ne tape pas. C'est là où je serai le problème. Tu ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Chacun peut payer. Appelez la police, vous la demandez, vous la dites que vous n'avez pas de soucis. Appelle le gouverneur. Allez, bloque-moi. Je vous demande. Bloque-moi le match de Cambrai. Là, tu m'appelles qui se joue. Appelle la police. Oh, Miss Blanc, oh, tu me touches pas. Tout ce que tu as pris aux abords du stade là, on va te faire bouger ça. Il n'y a pas de Nayo. Allez vous plaindre où vous voulez. Il n'y a pas de Nayo. Arrêtez, monsieur. Appelle le préfet. Appelle le préfet. Les journalistes vont arriver tout à l'heure. J'ai oublié, mais attends, il va biffer vos journalistes. Quand le ministre dit quelque chose dans ce pays, arrêtez un peu, vous entendez? Quand le ministre dit quelque chose, il faut respecter l'arrêté préfectoral. La FECAFOOT a organisé une assemblée générale fausse dans la clandestinité. Non, aucun match ne doit se jouer. Il faut qu'il reste avec moi. Il y a les lettres du ministre ici. Il faut respecter. Dans ce pays, il y a un état dans ce pays. Parce que la dernière lettre du ministre hier. Parce que la dernière lettre du ministre. Que les gens arrêtent de croire que dans ce pays. Que les gens arrêtent de croire que dans ce pays, il n'y a pas le gouvernement. Il y a un gouvernement dans ce pays. Alors c'est trop ça, vous arrêtez. Comment? Les gens n'ont rien à voir avec le football, ils viennent jouer le football. Quand vous voyez le football, ils ne ressemblent plus à rien aujourd'hui, c'est les gens comme les camps.
La Fougafé, on le tient. Il a bouffé pour les 200 millions de football jeunes. Aujourd'hui, il vient se mettre dessus dans une équipe. 200 millions de football jeunes. 200 millions. 200 millions. Ceux-ci sont là en train de jouer. Vous jouez quoi? Les enfants souffrent.